Le Togo a été célébré à l'Expo 2022 Dubaï ce mardi 21 décembre 2021 sous le thème de l'inclusion numérique dans le développement des populations. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de l'Expo 2020, c'est un événement qui s'est tenu à Dubaï et qui a rassemblé les nations dans le but de connecter les esprits puis créer l'avenir tout en apportant des solutions concrètes aux défis du monde actuel. Lors de la journée où le Togo a été à l'honneur, les Fils du Vent ont prouvé une fois de plus leur talent faisant danser les autorités togolaises et dubaïotes. À l'occasion de la cérémonie officielle de l'événement, Madame le Premier ministre Victoire Dogbé, le ministre Adéjé et d'autres autorités ont été bluffés par la prestation des Toufan. Il y a une semaine, lors de la 26e édition de l'événement Miss Togo, lorsque les Toufan ont été invités, seul Mastadia s'avait honoré de sa présence, ce qui a ainsi alimenté plus de rumeurs au sujet de leur rupture. Cependant, ce nouveau duo montre que le public s'est largement trompé sur la rupture de ce groupe tant apprécié dans le monde. Rappelons que le Made in Togo brille depuis le début du mois d'octobre à l'Expo 2020 de Dubaï avec l'exposition des produits et services authentiques togolais. La cérémonie officielle d'ouverture de cette journée a été présidée par le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. À l'heure de la publication de cette vidéo, les Fils du Vent sont toujours sur le territoire émiratien. Nous vous reviendrons plus tard sur les détails éventuels liés à leur séjour dans la ville du futur, Dubaï. En attendant, veuillez liker la vidéo tout en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao.